Ah putain, sa mère. Je crois que je suis tombé malade, la vie de ma mère. Salut, c'est Ayoub, c'est le vidéaste le moins actif du game. En tout cas, l'un des moins actifs. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V. J'ai un mode assez sympa à vous proposer dans le cadre d'Halo. Oh, toujours Simon à me casser. Non, la vérité, il n'y a pas de Franklin, frère. Le mode que je vais vous présenter, il s'appelle The Gate en anglais, c'est-à-dire le portail. Voilà, le portail sans digicode, évidemment. Juste un portail qui fait du sale, la vérité. J'ai rien que quand tu le vois marcher comme ça, tu sais qu'il est menaçant. Tu sais qu'il n'est pas là pour déconner et qu'il va te bouffer tout simplement. Regarde, petit exemple. Ces gens qui sont... What's up, homie? Il n'y a pas de what's up, homie. Je vais te soulever, meuf. I'm gonna soulever you. Yeah. C'est un tourbillon, meuf. Nam Sane. C'est ça. C'est ça, mon frérot. Un petit tour de manège. Waouh. Ouais, les gens, tu les éparpilles, tu vois. C'est n'importe quoi. Elle a rien demandé, la dame, mais on l'a fait tournailler, tourner dans le vide, tu vois ce que je dis ou pas? Oh, et même Franklin, frère. Eh ouais, mon gars. Je suis désolé, tout le monde y passe, frère, y a pas d'exception. Évidemment, tu peux faire ça avec les voitures, tu vois. Allez, passez-toi, si toi, s'y passe. Toi, c'est tout le monde, même le bus. What the fuck, ça n'a pas trop de sens, le bus. Wesh, d'accord. Ok, hop. Ça, c'était les gens qui étaient dans le bus. Ok. Bon bah apparemment ça marche aussi avec les gens qui sont dans le bus. Aime les keufs évidemment. Aime les keufs. Un petit tour de manège le chauve. Les chauves c'est les gens que j'aime le moins dans le jeu, tu vois. Bon, dans la vraie vie je sais pas, mais dans le jeu en tout cas je les aime pas. Bisous les chauves, j'ai rien contre vous. Attends, on peut essayer avec le tram, frère. Ce serait trop cool. What? C'est possible de faire ça avec le tram? Ah, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et si on peut faire ça avec le tram, logiquement on peut aussi faire ça avec le train. Voilà. Attends, le dernier wagon là, il va pas nous échapper, hein. Chope-le! Mais non, ça marche pas. Ah si, seigneur. Si, seigneur. Tout le monde y passe. Ah bah non, il y a un bug. C'est un peu bizarre. Attends, on va aller voir les trains. Ouais, il peut voler. Il peut voler d'une manière vraiment très stylée. C'est une petite raria. On dirait une petite raria, tu vois, une petite merde qui est en train de voler, tu vois. Subhanallah. On est dans la zone où normalement, il y a les trenos. El trenos, ¿por qué? El parkingos. No, noche. La noche de parables. No tengo aquí el treno. No treno par ici. Ah, voilà le train, frère. That's what I'm looking for. C'est ça qu'on veut, bismillah. Attends, j'espère que ça va marcher. Waouh, ça marche apparemment. Ça marche avec le premier wagon principal. Mais apparemment, il se remet à la place. Il se remet à sa... What the fuck. Ok, non, c'est très bizarre. Ça m'a fait comme le tram, il me semble. Attends. Maintenant, je suis bloqué là-dedans. What the hell? Ok. Non, il nous a fait une feinte. En fait, il va très très bien. Il était pas à l'endroit et là, il est à l'endroit. Je comprends plus rien. Bah attends, on va essayer de l'aspirer dans ce cas, tu vois. On va essayer de l'aspirer. Parce qu'on peut aspirer. Il y a une fonction aspirer dans le jeu, tu vois. Où t'es là, t'aspires tout ce qui bouge. Et si on peut l'aspirer, bordel, que ça serait lourd. Wouah! Quoi? Il est passé à travers moi? What the fuck? Normalement, je l'ai aspiré, je comprends plus rien, frère. Attends, regarde. Tac. Voilà. Ok, non, il s'est foutu de ma gueule, j'aime pas ça. Regarde, si on se met là, on aspire tout le monde, frère. On aspire tout ce qui bouge. Et ils apparaissent pas derrière nous, tu vois. Regarde, on les aspire vraiment. Pour de vrai, mais le train, il est invincible, frère. Ah non. Par contre, c'est satisfaisant. Je laisse un peu cette séquence. Comme ça, vous profitez un petit peu. Ça y est, ça suffit? Encore un peu? Ok. C'est bon là, oh. Regarde, ce qui est trop bien, c'est que tu peux partir dans le sol, tu vois. Ouais, c'est comme si tu nageais, sauf que c'est dans le sol. Et tu peux sauter, évidemment. Et ouais, c'est lourd, c'est vraiment trop lourd. J'ai trop l'impression que je joue au mode requin que j'avais testé l'autre jour, tu vois. Enfin, l'autre jour, c'était quand même un mois et demi, deux mois. On va aller au niveau de la plage, on va aspirer les gens, c'est marrant. Théma, frère, personne ne va nous remarquer, on va se poser comme ça. Trac! Transition indétectable, frère. Et là, on aspire. On screen, aspire. Voilà, j'aspire. Toi, je t'aspire, meuf. Je t'aspire. Ouais, elle a pris du temps pour réagir. Allez, vite. Avant que les gens s'échappent. On va aspirer tout le monde. Même quand il y a des flics qui vont venir, on va les aspirer quand même. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Waouh. Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'était hardcore. On dirait vraiment du pétrole qui se déplace, frère. C'est incroyable. En fait, quand j'appuie sur R, ça augmente la zone que j'aspire, tu vois. C'est-à-dire toutes les personnes qui passeront là, je vais les aspirer. Même si je passe là sur l'autoroute, tu vois. Par exemple là, voilà, j'aspire tout le monde. J'aspire absolument tout le monde. Même les flics là, je les aspire, tu vois.
Voilà. Même le monsieur là, les deux, je les aspire. Tous les gens là, là, là. Regarde, regarde. Tac, tac, tac. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Regarde, regarde, regarde. Tous les gens derrière. Oh là là, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Qu'est-ce que c'est joli. Est-ce que t'as déjà vu ça sur GTA, la vérité? On a l'impression que les modes, ça tourne en rond. Pas du tout, frère. Pas du tout, t'as déjà vu ça, frère. T'as. Waouh. T'as mal les reflets en plus, frère. Incroyable. Là, je pense mieux que c'est mieux comme ça. Je pense que souvent c'est mieux. Téma, téma, téma. Regarde, regarde, regarde. On va aspirer Los Santos, regarde. On va aspirer Los Santos entièrement. Entièrement, je te dis, sans exception. Toi aussi, tu vas y passer, regarde. Toi aussi. Crois pas que. Voilà, je t'aspire dans le pétrole. On dirait pas Venom, en vérité. Voilà, on dirait trop Venom. Ça aurait pu le faire, hein. En mode Venom, tu vois, s'il y avait cette. Cette fonctionnalité dans le mode qui est sortie à l'époque, que personne n'a calculé d'ailleurs. Voilà, j'aspire dans une mare de pétrole. Eh ouais, le pétrole, ça pollue, mais ça tue également, frérot. Attends, si on passe au niveau du truc, là, est-ce que ça... ça nique les trucs? Pas du tout, d'accord, pas du tout. On aspire tout le monde, frère. Trac. Vous aussi, vous aussi. Vous aussi, les bus. Tout le monde, j'aspire tout le monde. Je suis un fléau. Je suis un fléau. Tout le monde, frère. Tout le monde, tout le... Waouh. Attends, déjà, laisse-moi me retourner voir ça. Incroyable. Magnifique. Absolument magnifique. Voilà, c'est un ouf. Ça rend ouf cette histoire. Les gars, ils savent même pas qui c'est qui combattent. Ils sont en train de viser le sol, c'est con. Voilà, frère, je t'aspire. I aspire you, man. I aspire you completely. Allez, maintenant, je me barre. Tiens, on peut même partir dans l'eau comme ça. Et on va se cacher, tu vois. Dans l'eau. Mais c'est un délire. Là, je me fonds dans le corail, tu vois. Personne ne sait que je suis là. Et je sais même pas s'ils peuvent ramener des bateaux et tout. Ils peuvent, hein. Mais tu peux leur échapper d'une manière incroyable, hein. Attends. Voilà ça. Ok. Là, il y a un bug, je sais pas pourquoi, mais ouais, des fois ça... Voilà, comme ça. Yeah, boy, on peut aller tout au fond. Waouh. Tu peux aller loin de ouf comme ça ou pas? Ouais, là, par contre, j'ai déconné. Ouais, non, là, c'est un peu instable. Dans l'eau, c'est pas l'idéal, ne pas utiliser ce produit sous l'eau. Il y a d'autres trucs, tu vois. Par exemple, ça, tu détaches les gens, tu vois. C'est assez dégueulasse, mais... Ouais. Ah mais c'est comme ça, hein, c'est un mode pour Halloween, qu'est-ce que je te dis? Bah d'ailleurs, on part en Halloween, on va faire ça en mode, tu sais, une nuit un peu éclairée, tu vois. Une nuit un petit peu, tu verras. Ça c'est stylé la nuit en vrai. J'aurais dû commencer la vidéo comme ça, hein. T'es moi comment on se balade, et c'est grave bien éclairé la rue et tout. Ça c'est vraiment la street durant Halloween, frère. Regarde, tu peux te balader comme ça, tu traverses les caisses carrément. Les gens ne savent pas que t'es là, ils voient juste un genou, qui se balade dans la ville, tu vois. Ils ont peur, ils rient. On va dans downtown, on va en plein centre-ville là, tu vois. On va terroriser les gens, tu vois ce que je veux dire. Fallait pas sortir ce soir, Roya. Fallait pas sortir ce soir, frère. T'es marre. Waouh. Ça, c'était beau. Regarde ça, c'est un truc où tu éclates les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ok, ça c'était complètement raté. Complètement raté. Mais c'est stylé de voir les trucs ratés. Parce qu'après, ça vous permet de voir les trucs pas ratés. Bon, non, ça a raté encore une fois, tu vois. C'est, ça saoule. Ça, c'est bon. Waouh. Ça marche une fois sur deux, il faut dire ce qui est. C'est stylé. Mais tu fais ça comme ça? Waouh, t'es mort. C'est dévastateur. C'est complètement dévastateur, frère. Regarde, tu peux même faire ça comme ça. T'es mains, ça n'a pas de sens. C'est une ombre bizarre, mais tu peux continuer à donner des coups de poing. C'est n'importe quoi. Regarde, même l'hélicoptère. L'hélicoptère, on va l'éclater comme ça. T'es mains. Tac, 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 tac. Est-ce que ça a du sens pour toi? T'es mains. Waouh. Wow, j'ai pas envie de rater l'explosion. L'explosion, je t'ai dit, l'explosion. Ah, pour le coup, je l'ai vu d'un peu trop près, ça a gâché le bail. Une ombre à Los Santos, regarde. Tu sais pas ce que c'est un mystère. Même moi, je sais pas ce que c'est, frère. Mais c'est stylé, sa mère. Déglingue. Déglingue-moi les hélicos, frère. Je n'ai pas envie de voir de moustiques. C'est des petits moustiques pour moi, frère. Tu peux faire du au cas par cas. C'est-à-dire, lui, si je veux l'aspirer lui tout seul, je peux. Si je veux aspirer lui tout seul, je peux. Et je peux aspirer tout le monde à la fois, comme je vous ai montré tout à l'heure. Pour le plaisir, let's do it, man. Let's do... Waouh. C'est un truc de ouf. T'imagines le mec, il dit, c'est pas je te défonce, c'est je t'aspire. C'est une dinguerie. Regarde l'hélicoptère. Regarde l'hélicoptère qui essaie de se débattre malgré lui. Ah, lui, il est un peu loin encore. Ouais, il est un peu loin. Par contre, s'il essaie de sauter peut-être. Non? Ah si, je l'aspire en vrai. Waouh. Trop stylé. Viens, on va dans la base. Ouais, les Rays, c'est moi. Je suis venu aspirer les avions cargo des tanks. Attends, déjà eux là, ça va passer en premier. J'arrive même pas à l'aspirer. Ah si, voilà. Attends, ça va rentrer. C'est n'importe quoi. Ça n'a vraiment pas de sens. T'es mains. Aspire, je t'ai dit. Obéis.
Je vais t'aspirer, moi. What the hell, man. Les tanks aussi? Allez, les tanks. Premier tank que je vais aspirer, voilà. C'est aspiré. Toi, tu viens. Même le gros truc, là. L'avion de chasse, l'avion. Allez. Toi aussi, tu viens. Le véhicule. Wow, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est un énorme bouffeur, pour de vrai. C'est... What? On dirait que j'avais du feu dans les fesses. This is so amazing. J'aspire the army, man. I aspire the army, that's so amazing. Yeah. Come on here. J'ai encore faim, si tu plais. C'est succulent, j'adore les tanks. Les tanks comme ça, quand t'as faim le soir. Oh là là. Avec une petite pincée de sel comme ça, là. Salt bay. Regarde, j'aspire alors que je suis en l'air. What the fuck? C'est-à-dire, même quand t'es invisible comme ça, tu peux utiliser ton pouvoir. T'es mal. Je veux aspirer ce truc. Je veux aspirer ces gens. What the hell? Attends, tu peux aspirer de manière mobile, j'ai envie de dire. C'est vraiment très puissant. Le mec qui crée les mods, il est super fort. D'ailleurs, très rarement, je cite son nom, mais c'est Julio NB. Julio NB. Et c'est une team, tu vois. Je crois ils sont 2-3, je suis pas sûr. Et ils font des scripts. C'est ceux qui font des scripts de pas mal de vidéos GTA, tu vois. Mode Iron Man, mode Hulk, mode Thanos, c'est eux, hein. Attends, du coup, j'ai bien envie de voir ce que ça donne maintenant, tu vois. Si on essaye avec le train de cette manière. What does it give? What does it give? Aha! 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 Est-ce que ça les aspire ou pas? Ou bien est-ce que ça nous fait des techniques cheloues, tu vois, comme pour... Ah bah ouais. Ouais, c'est des trucs chelous. C'est des trucs chelous. Mais c'est incroyable. Le train, c'est trop difficile de l'avoir. J'ai l'impression, à moins que tu sois Thanos, tu peux pas le déglinguer, frère. C'est abusé. Très peu de mode où j'ai réussi à les niquer comme ça. Dans tous les cas, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Moi, j'ai assez bien kiffé. C'est assez original comme perso. C'est un vrai perso qui existe. Il s'appelle vraiment The Gate. Moi, je vous dis, prenez soin de vous sur Fundo. Et n'aspirez pas les gens, tu vois, parce qu'après, ça les tue, quoi. C'est pas bien. Voilà, c'était tout. Peace. Wesh, mon frérot, c'est trop bien dit. Allez, bisous, la Mifa, et prenez soin de vous. Bise.